Hello. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et en plus je suis trop contente parce qu'on va parler de mes favoris. Et vous savez que c'est la vidéo que je préfère vous filmer tous les mois. Donc à chaque fois j'attends avec impatience le début du mois pour vous la faire. Et ce mois-ci, je vais essayer d'aller vite sur chaque produit, mais on est complet. C'est-à-dire on affiche complet, je pouvais pas en mettre plus. J'ai eu beaucoup de découvertes, donc là-dessus je vais aller assez rapidement. Surtout ceux pour lesquels je vous ai pas forcément encore fait la revue complète. Voilà, je vais essayer d'aller rapidement. Après j'ai des favoris aussi beaucoup, mais il y en a que j'ai ressorti un petit peu des... Voilà, j'ai fait... Il y a beaucoup de nouveautés mais aussi beaucoup d'anciens que vous connaissez déjà. Donc je pense que je peux me débrouiller pour que ça dure pas 3 heures, mais on va... Voilà. J'ai pas mal de favoris soins d'ailleurs, pour une fois ce mois-ci, c'est assez rare, surtout pour le corps. Mais là en fait j'en ai pas mal parce que j'ai découvert plein de belles choses. Premier favori c'est les gels douche, pardon, vous avez vu comment il a failli voler ou pas? C'est les gels douche de chez Rituals. Donc celui-là c'est le Ritual of Zao, mais j'y suis allée quand je vous ai fait les lots du concours pour les 3 ans du blog. Et je m'en suis racheté, donc j'en avais pris 3, enfin 2 pour moi et une pour mon chéri, spécial homme. Écoutez, franchement, je les adore quoi. Je les avais essayés qu'en miniature, je les aimais déjà beaucoup. Et ben en grand, voilà, je les adore. Et celui-là, la Ritual of Dao, personnellement, je suis fan, mais c'est une odeur très boisée, donc je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais énorme coup de cœur pour les gels douche Rituals. Ensuite, j'ai un très très gros coup de cœur aussi pour le lait nutritif pour le corps de chez Palmers. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des victoires de la beauté, puisqu'il a gagné les victoires de la beauté, et avec Mickaël, on l'adore. C'est un lait, vous voyez, c'est assez épais. Vous voyez, hop. Donc déjà, il en faut pas beaucoup, donc c'est assez économique, ça coûte franchement pas cher, il coûte 4€ quelque chose. Et ça pénètre super rapidement. C'est au beurre de cacao, donc ça sent en fait le cacao. Mais vraiment un petit peu le cacao amer, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'odeur est assez présente, mais si on aime, elle tient un peu quand même. Donc si on n'aime pas, c'est plus compliqué, mais elle s'estompe en massant. C'est-à-dire qu'après elle tient, mais c'est beaucoup moins fort qu'à la sortie du pot. Par contre ça pénètre hyper rapidement et c'est hyper hydratant. Et moi qui aime pas me crémer le corps, depuis que je l'ai, écoutez, je suis très contente, je l'adore et je m'en sers tout le temps. Donc franchement je l'adore ce truc. Il coûte pas cher, c'est un produit au top du top. Si vous cherchez quelque chose de très nourrissant pour cet hiver, vous allez kiffer. Ensuite, j'ai le petit coffret Tony Moly que je vous ai montré sur Instagram. Genre trop chou. Alors là, en fait, j'ai été très agréablement surprise. Parce que je l'ai acheté vraiment pour le packaging et l'odeur, entre guillemets. Je pensais que ça serait des petites crèmes, oui, hydratantes, mais pour la journée, si vous voulez, quoi. Enfin, qu'elles seraient hydratantes, mais pas plus que ça. Et en fait, finalement, elles sont quand même bien hydratantes. Donc, dans le coffret, vous en avez 3, avec une, la verte, qui sent le cinnamon cookie, donc cookie... Ça y est, je me perds à la cannelle. Oui c'est ça, voilà. Le black cherry qui sent donc la cerise noire, mais ça sent le bonbon régalade, c'est délicieux. Et le dernier c'est sweet macaron qui sent un petit truc un peu vanillé, c'est ça, biscuit un peu vanillé. Moi j'adore. Et donc je vais vous montrer la texture parce que pour le coup c'est un peu plus fluide, surtout quand on l'étale. Mais c'est pareil, ça garde un film sur la main, hyper agréable et tout. Et on sent que la main est quand même nourrie. Donc en fait j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas à autant de nutrition. Voilà, donc j'étais très contente. Et pour les amoureuses des packagings comme moi, ce qu'il y a de bien c'est que c'est des petits packagings en genre... aluminium ou en tous les cas plastique qui se remet. Donc si vous voulez, quand vous faites sortir la matière, bah il revient le packaging, donc je vais pouvoir les garder après. Donc, je suis trop contente parce que ils sont vraiment trop jolis, ce coffret est trop mignon. Ensuite je finis avec le corps et ça me fait une transition pour le visage. Alors attendez, parce que là la bête, je sors la bête. Donc j'ai tout remis, mais j'utilise tout en ce moment. C'est le coffret de Noël de chez Humankind. Enfin un des deux, il y en a un deuxième. Et dedans, alors je vous ai fait tout l'article sur le blog en vous expliquant tout ce qu'il y avait dedans. Vous avez gel douche, pardon, je ne voulais pas te faire mal. Gel douche, crème soufflée pour le corps qui sent mais une odeur mais de malade. Crème pour les mains et les pieds et les coudes. Voilà, que j'utilise que sur les mains. Et là vous avez deux
produits pour le visage, donc les petites miniatures, enfin miniatures, c'est les formats voyage, ils font 30 ml. Donc ça c'est ma crème de jour du moment, leur crème, voilà, c'est la crème jour et nuit hydratante, leur crème basique à Humankind, et le nettoyant pour le visage qui est top aussi. J'aime tout, voilà, donc comme ça moi je vous le dis, je vous ai fait tout l'article sur le blog avec des photos, je vous explique les odeurs de chaque, etc, etc. Mais franchement, ce coffret, il est vraiment top, il vous permet de découvrir la marque. Humankind, c'est une marque naturelle, à petit prix, elle est pas bio, mais vous avez à chaque fois au minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle, je crois. Et même, je crois que c'est minimum 95%. Et c'est une marque tout petit prix, c'est vendu chez Sephora. Et si ce coffret vous plaît et vous tente, restez connectés, puisque demain, sur Instagram, peut-être qu'il y aurait possibilité pour vous de le découvrir et même peut-être de l'avoir. Donc rendez-vous demain sur Instagram. Voilà, je vous place ça comme ça. Mais énorme coup de cœur pour moi. Vraiment, il est au top du top. Je vais le mettre derrière si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on va le garder avec nous. Hop, voilà. Un petit peu plus par là. Comme ça, il est joli. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, on le garde. Ensuite, je termine. Donc, transition, soin visage. Dernier soin pour le visage. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé une nouvelle routine dans laquelle je mets la crème de jour Humankind, la crème de soir c'est la crème pour le Omanuka de chez Comptoir et Compagnie, donc pareil dont je vous ai parlé dans les Victoires de la Beauté. Et comme sérum, sous les deux, je mets une huile en ce moment, qui est une huile de chez Cho Nature, C-H-O, qui est l'huile Illicitar pour les peaux mixtes à grasse. Donc la créatrice me l'a offert pour que je découvre la marque. Et pourquoi pour les peaux mixtes à grasse? Parce que ça reste quand même une huile et qu'elle avait peur que les autres, avec les problèmes d'acné que j'ai eu, me refassent quelques... Enfin, que ça soit un peu trop gras pour moi. Donc en ayant discuté avec elle et tout ça, c'est vrai que moi aussi je préférais celle-ci. Surtout que il y a de la nigelle entre autres dedans, qu'il y a aussi de l'huile de jojoba, etc. Mais il y a de la nigelle, et la nigelle c'est très bon pour quand on a des imperfections. Mais surtout ça risquait pas de me refaire une petite crise d'acné. Donc celle-ci là pour l'instant j'utilise depuis 10 jours à peu près, un petit peu plus. Au top, j'en mets 2 gouttes le matin, 3 gouttes le soir sous ma crème comme un sérum, je la chauffe et jamais. Ça par contre Cho Nature c'est bio, donc naturel aussi. Vous avez 30 ml dedans, celles-ci sont super bon, mais vraiment super bon. Elle est faite pour les peaux mixtes à grasse, donc si vous avez une peau grasse mais que l'hiver, voilà, vous voulez un peu plus de confort et tout, vous allez adorer. Et il y en a, en fait, ils ont un concept de bar à huile et vous en avez pour tout, donc pour les peaux sèches, les peaux normales, les peaux sensibles. Vous en avez même une pour le contour des yeux qui fait cette taille-là, donc elle vous dure 40 ans. Et voilà, ils sont top, c'est fabriqué à Grasse, ils font ça en famille et tout. Donc franchement, c'est génial cette marque, je suis tombée amoureuse. Vous savez que j'aime tout, que j'aime tous les produits. Moi, je fonctionne au coup de cœur pour une marque ou pour un produit, je m'en fiche que ça soit conventionnel, naturel et tout, mais cette marque là, la Cho Nature, ils m'ont touché en fait. Voilà, franchement j'ai eu un vrai coup de cœur, ils m'ont touché. C'est encore mieux quand c'est bio forcément, mais vraiment énorme coup de cœur, ils sont adorables en plus et tout. Donc je sais plus, je vous mets le lien de leur site en barre d'infos, et ils sont vendus sur d'autres e-shops mais j'ai plus les noms en tête, mais je vais vous retrouver ça d'ici là, promis, tout sera en barre d'infos. On va pouvoir passer au maquillage, hein, parce que sinon ça va durer 30 ans. Alors pour le teint, j'ai 2 favoris que j'ai ressortis, pas des placards mais presque, et 2 favoris découvertes, dont vous allez entendre parler très bientôt parce que je vais vous en reparler. Alors les 2 favoris que j'ai ressortis des placards, c'est j'avais très envie en ce moment de fond de teint un peu encre, comme ça. Donc comme le Maestro ou le teint encre de peau de Saint Laurent, donc tous les deux c'est pareil, je vous ai fait les revues application, c'est en barre d'infos. Franchement je les adore toujours autant. Aujourd'hui je porte le teint encre de peau, mais j'ai pas mal porté le Maestro dans certaines de mes vidéos. Vous m'avez vu, vous m'avez demandé ce que c'était et tout, bah c'était lui. Maestro j'ai en teinte 4.75 qui est un chouille trop foncé, et le teint encre de peau en BR40 pareil. Le problème c'est que je les avais achetés quand j'étais à Saint-Raphaël et que depuis que je suis revenue de Saint-Raphaël j'ai perdu à peu près un demi-ton. Donc je vais les finir parce que ça se voit pas non plus de ouf trop. Je les adore tous les deux, c'est franchement 2 produits top, c'est des fonds de teint très très légers qui se sentent pas, c'est de ça que j'avais envie, de couvrance mais
qu'ils se sentent pas du tout. Et pour ça, ces deux-là sont peut-être les meilleurs que je connaisse. Et la découverte du mois en fond de teint, mais je vais vous les mettre ensemble s'il y a une poudre aussi, c'est la nouvelle collection de chez Etam. Vous savez qu'Etam, c'est une de mes marques préférées, voire ma marque préférée en petit prix. Et ils ont sorti un fond de teint en brume. Donc c'est une brume de teint, voilà. Je vous fais la revue et l'application là, très bientôt. Peut-être dimanche prochain. Et j'adore. Franchement, c'est super pratique. C'est très joli sur la peau. Et je vous en parlerai, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. La seule chose à regretter, c'est qu'il n'y a que 4 teintes et qu'elles sont assez claires. Pour preuve, moi, j'ai la 4. Donc voilà. Et avec ça, ils ont sorti deux autres produits. Un autre fond de teint qui s'appelle Minimaliste, dont je vous parlerai une fois, mais je ne l'ai pas encore essayé. Et cette poudre Minimaliste, qui est une poudre de teint poids plume. Donc moi, je l'ai en teinte 3. Et en fait, c'est une poudre qui, en fait, elle peut vous servir ou en poudre de finition avec un gros pinceau, où là, elle va être très légère. Ou alors, vous pouvez la mettre en fond de teint poudre avec un pinceau genre le 45 de Sephora, le Multitude Texture, là. Et justement, en mettant plus, ça va vous apporter plus de couvrance. Énorme coup de cœur, ils ont refait leur packaging plus classe et tout, donc c'est plus le dégradé de couleur machin, c'est rose gold. Et là vous savez que voilà, Etam, nouveauté Etam, rose gold, il m'en fallait pas plus, voilà, je suis amoureuse. Mais non voilà, ils ont refait leur packaging en un peu plus classe et franchement je kiffe, et les produits sont toujours aussi bien. Une autre poudre que j'ai, hop là, merci, reste avec moi chérie. Une autre poudre que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce mois-ci, c'est la Beauty Amplifier de Sephora, toujours, je l'adore, franchement je l'adore. D'ailleurs je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai bien creusée. Donc c'est une poudre blanche mais qui est translucide. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est super fine. Là j'en ai pris pas mal. Elle est super fine et on peut même la mettre sous le contour des yeux. Enfin moi en tous les cas je peux la mettre sous le contour des yeux. Donc ça c'est top. Et je l'adore. Donc elle est faite pour lisser et flouter les pores. Je sais exactement ce qu'elle fait. Donc, parfait. Les blushs. J'ai porté ce mois-ci beaucoup de choses en fait. Mon blush Clinique Plum Pop. Je vous en avais fait un article. Je l'adore. C'est les blushs cuits comme ça de chez Clinique. Qui sont arrivés enfin chez Sephora 2 ans après leur sortie, c'est pas mal. Qui sont hyper bien pigmentés, vous voyez, pour en mettre trop. Et le Plum Pop, il est trop joli de couleur, je l'adore. Et j'ai pas mal ressorti ma Love Flush palette de Too Faced, que j'avais beaucoup moins mise, mais c'est parce que en fait, comme c'est que des blushs, si vous voulez, alors c'est tout leur blush Love Flush, hein, y a toutes les teintes, donc voilà. Bah j'ai moins tendance à la sortir, je sais pas, comme c'est que des blushs, mais pourtant je l'adore. Et mes deux favoris, énormes favoris de à chaque fois que je la ressors, mais là ce mois-ci j'ai mis presque que ça, c'est Your Love is King, le un peu fig qui est là, et Baby Love, je crois bien, non c'est... Oui c'est Baby Love, excusez-moi. Le un petit peu marron, enfin ouais, rose marronné, vieux rose en fait, qui est trop beau. Mais en fait voilà, je l'ai ressorti, donc là maintenant j'ai fait essayer de m'en servir un peu plus, parce que c'est vrai, en fait c'est pas que je voulais pas m'en servir, parce que c'est des très bons blushs qui tiennent vraiment, ils sont faits pour ça, hein. Ceux-là c'est des blushs longue tenue qui sont très pigmentés, qui sont faits pour tenir très longtemps, mais en fait je l'oubliais un petit peu, si vous voulez. Puis le format, ça je vous l'avais dit quand je l'avais acheté, vous allez voir l'article que je vous ai fait, j'avais comparé celle-ci et la Gwen Stefani Urban Decay. J'avais dit que le format n'était pas pratique, c'est à dire que la Gwen Stefani c'est sur deux étages, c'est une palette carrée en 3 et 3, et j'aurais mieux vu ça pour ça. Alors oui, là c'est plus mignon, c'est beaucoup plus du Too Faced, on la remarque, tout ce que vous voulez, mais en fait elle n'est pas pratique pour être transportée et tout, donc voilà. Mais je l'adore, hein, vraiment, donc maintenant je vais plus la ressortir. Et j'ai découvert un highlighter, parce que j'ai beaucoup porté encore et toujours, je vais pas vous le remettre 150 fois, mon duo de Charlotte Tilbury, voilà, que je creuse de plus en plus, hein, donc je l'aime toujours autant pour le bronzer et l'highlighter, je le mets tous les jours ou presque. N'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo où je vous montre son dupe à 7 €, hein. Voilà. Et sinon j'ai découvert cette petite chose qui m'a bien tentée quand je l'ai vue chez Monoprix, c'est le Master Strobing Stick de chez Maybelline, et j'ai pris le 100, je crois, ouais c'est ça, il y en a deux, Light Iridescent, le 100. Et il est trop beau, c'est bien pigmenté, c'est joli. Et ce que j'aime beaucoup, parce que j'avais un petit peu peur de ça, c'est que j'ai vu la couleur, j'ai dit oh allez je craque. Mais j'avais peur que ça soit trop gras, parce que vous voyez ça reste quand même un stick.
Et en fait, pas du tout, voire limite, c'est même un fini poudré une fois qu'on l'a estompé. Ça s'estompe hyper bien, hyper joliment. On perd pas de... C'est vraiment de l'estompage, on perd pas de pigmentation. Voilà, c'est vraiment que ça se fond dans la peau, mais ça garde, est-ce que je vais vous mettre en face de la lampe, oui, la lumière et tout ça, donc c'est vraiment top. On va pouvoir passer aux palettes. Je peux appeler ces découvertes, je me demande même si je vais pas l'avoir fait, le mois des palettes, parce que nous n'avons pas moins de 3 palettes qui sont des découvertes, parce que j'ai évité de vous remettre la Moderne Renaissance que j'ai utilisée à Donf ce mois-ci aussi. D'ailleurs... ne vous inquiétez pas, le fameux make-up des Victoires de la Beauté rouge là, que vous avez kiffé d'ailleurs, merci beaucoup, je vais vous le faire. C'était avec la Moderne Renaissance. J'ai beaucoup utilisé aussi la Sweet Peach, enfin voilà, il y en a plein. Mais je voulais vous parler des 3, là pour le coup c'est des découvertes. Parce que c'est voilà, là tout de suite à l'heure d'aujourd'hui, au jour 0, à l'heure H, c'est mes coups de cœur. Mais je suis amoureuse. La première c'est... la Ultimate Basics, dont je vous ai fait la revue déjà, énorme coup de cœur, rien que pour ça et pour ça, voilà. Je l'utilise presque tous les jours, au moins ne serait-ce qu'un fard si j'en ai besoin. Voilà, il me manque quelque chose, un fard de transition, un truc. Bim ! Naked Ultimate Basics, elle est au top cette palette, elle est géniale. Ensuite, j'en ai 2 autres que je porte aujourd'hui. Je les ai mixées, hop, ensemble. Je me suis dit, bon, laquelle je mets, je voulais pas faire de jalouse, donc j'ai fait un truc à 2. C'est 2 palettes assez colorées. La première, c'est toujours de chez Urban Decay, et vous en avez vu la revue dans ma dernière vidéo. C'est la Full Spectrum Palette, qui est sublimissime. Alors, hop, merci. Je t'ouvre la petite, voilà. Si vous hésitez à la prendre ou qu'elle vous fait peur, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo, puisque je vous le redis, c'est une palette qu'il ne faut pas regarder dans son ensemble, qu'il faut regarder phare à phare, et en réalité elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus complète que ce qu'on peut penser en la voyant comme ça. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur elle, puisque je vous fais tous les swatchs et vous allez vous rendre compte que en fait il y a beaucoup plus de fards portables que ce qu'il n'y paraît. Et la deuxième palette, c'est une découverte Instagram, c'est un peu aussi grâce à vous, parce que vous m'avez demandé plusieurs fois, est-ce que tu vas les tester, est-ce que tu vas les tester, est-ce que tu connais, machin. J'ai résisté, et puis je n'ai pas résisté très longtemps. Déjà, vous m'avez tenté dès que vous m'en avez parlé, parce que je suis fan de l'Égypte antique, pardon. Donc le packaging m'a interpellée tout de suite. C'est les palettes Juvia's Place. Si vous ne connaissez pas, c'est des palettes qui sont... très très connue sur Instagram en ce moment, parce qu'apparemment c'est les, je vous dis apparemment, c'est les meilleurs fards du monde, hyper pigmentés, etc. On en parle mercredi, je vous ai fait la revue, elle est déjà filmée. Moi j'ai pris la Nubian 2, donc pour l'instant ils ont que 3 palettes. La Nubian 1 c'est une palette de nude, la Masquerade c'est une palette hyper colorée, mais comme je savais que j'allais acheter la Full Spectrum, parce que je l'ai commandé un peu avant, je me suis dit non, double emploi, enfin vraiment l'une derrière l'autre. À 2 mois après ça m'aurait pas dérangé, l'une dernière à l'autre ça m'a dérangé. Et en fait celle-ci c'est la Nubian 2 qui mixe un peu de tout et elle est vraiment géniale. Je ne vous en dis pas beaucoup plus pour que vous ayez la surprise mercredi, mais écoutez, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai un petit peu été sur le cul. Voilà, donc je vous laisse voir ça mercredi, mais je pense que vous allez avoir de belles surprises avec elle, comme moi j'espère. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Où c'est qu'on... Ah oui, dernier favori pour les yeux, ben, le liner Too Faced, encore, je le porte là encore, je suis fan. Génial, au top, il me fait toujours penser à celui de Kat Von D, hein. Donc, j'ai ressorti aussi celui de Kat Von D pour essayer de comparer les deux, il me fait penser. Kat Von D arrive en France le 18 janvier sur le site de Sephora et sur Sephora des Champs-Élysées, et 28 janvier dans tous les magasins. Et ben maintenant que j'ai testé celui-là, alors qu'avant j'attendais juste une chose, c'était de pouvoir acheter mon liner Kat Von D, je ne sais pas lequel je prendrai, ça se jouera sur le prix je pense, parce que celui-là est vraiment similaire, il est top. C'est le sketch marker, oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire, je suis là, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, c'est le sketch marker. Favori pour les lèvres, écoutez c'est un peu comme les palettes. Soit je vous mettais 50 trucs... soit je vous mettais un truc important, et c'est ce que j'ai choisi de faire, parce que là, vous voyez, ça dure déjà depuis longtemps. J'ai beaucoup porté plein de trucs,
plein de choses ce mois-ci. Beaucoup, je vous ai mis sur Snapchat et tout. Depuis que j'ai reçu, j'ai aussi énormément porté mon 3314 de ma collection avec Charlène. Celui-ci, je vous le remonte. Pourquoi ? Parce que je ne vous l'avais pas présenté dans mes swatchs, parce que je ne l'avais pas encore. Mais là, ça y est, c'est bon, il est disponible, je l'ai eu. C'est celui que je porte actuellement. C'est un sublime framboise prune, mais il est parfait pour la saison. Donc là, il est 17h et je le porte depuis 9h du matin. Voilà, j'ai mangé, j'ai fait ma vie, j'ai fumé, j'ai bu et tout. Et écoutez, je trouve qu'il se comporte toujours très bien. Donc comme ça, au moins, j'ai fait exprès d'attendre 17h pour filmer, pour vous montrer en fait comment il se tenait, enfin, pour vous montrer qu'il n'y avait pas besoin de retouches et tout, et qu'il tenait vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-ci parce que je ne vous l'avais pas encore montré. Je trouvais ça plus sympa de vous montrer aussi ici que juste sur Instagram ou Snapchat. On va terminer par les favoris. Pour les ongles, j'en ai deux, une gamme et un en particulier. J'ai beaucoup ressorti mes Power Pro Nail Lacquer de Kiko. Je les ai beaucoup ressortis, pourquoi ? Parce qu'en fait j'adore cette collection, mais je les avais achetés l'année dernière, j'en ai 6 je crois, je vous avais fait tout un article. Et en fait j'ai acheté beaucoup de couleurs entre guillemets hivernales. Donc c'est vrai que je les ai pas mal ressortis là en ce moment. Et ils sont vraiment top. Donc moi je peux que vous les conseiller à 5€. Voilà. Le pinceau il me fait un peu penser à ceux de Dior. Pour vous dire. Pourtant je fais la collection de ceux de Dior, je les adore. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Ils tiennent bien, ils tiennent longtemps et tout. Donc voilà. Et ensuite j'en ai un autre que j'adore. C'est le Rose Ballet numéro 224. Que je porte de chez L'Oréal, c'est la collection vernis à l'huile, voilà vous savez ceux-là là. Et franchement, écoutez, déjà j'adore la gamme, j'en ai trop, c'est mon quatrième, j'adore sa couleur, j'ai eu un énorme coup de cœur en fait. J'adore le packaging, mais vraiment je trouve que la couleur pour la saison est parfaite. Rose, j'aurais pas forcément appelé ça rose balai parce que je trouve ça un peu foncé pour un balai de danse. Ça s'écrit bien BA2LET hein. Pour un ballet de danse, mais bon, écoutez, je m'en fous de comment il s'appelle, toujours est-il qu'il est bien. C'est tout pour mes favoris du mois. Je sais que vous l'avez vu, il est là, hein, je sais. J'ai fait exprès de le mettre là en plus. Pourquoi il n'est pas dans mes favoris? Le petit coffret Grand Tailed Faced, qui est celui qui contient les trois petites palettes. Parce que je suis allée l'acheter hier, que j'ai pas eu le temps de le swatcher et que je vais pas vous dire c'est dans mes favoris pour le packaging. Hein. Voilà, quand je vous parle d'un produit, dans mes favoris, je l'ai quand même pas mal testé. Quand je vous parle de soins que j'essaye depuis pas longtemps, je vous le dis toujours en vous disant j'aime la texture, pour l'instant ça fait pas de boutons, ça va bien à ma peau, ça machin, mais je n'ai pas encore de retour sur le long terme. Là, comme je l'ai même pas swatché parce que j'ai pas eu le temps, bah il est pas dans mes favoris. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je vous fasse, ou alors vous en pouvez déjà plus parce que je sais que les collections de Noël de Too Faced à chaque fois c'est un peu, on les a jusque là. Pour vous dire, moi c'est la première fois que j'en achète une, tellement d'habitude j'en peux plus entendre parler. C'est ma première collection de Noël Too Faced. Voilà, donc ça, voilà. Est-ce que vous voulez une vidéo revue comme je fais d'habitude avec les swatchs, etc. Comme je vous ai fait avec la Urban Decay, comme je vais vous faire avec la Julia Space, qui dans ces cas-là n'arrivera que pas la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que voilà, il y a déjà beaucoup de palettes en ce moment, ou juste un article écrit sur le blog, ou rien du tout et des make-up quand je m'en sers. Si vous en pouvez plus de la collection de Noël de Too Faced, il n'y a pas de problème, dites-le moi, mais je vous comprends, donc c'est pour ça que je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez les swatchs, etc. Voilà, si vous les voulez, je vous les fais, si vous les voulez pas, je vous les fais pas. Voilà, c'est d'une simplicité enfantine. Donc voilà, sinon, bah, pour l'instant, j'aime bien. De ce que j'en ai vu, j'aime bien, je l'ai acheté pour une des trois palettes en particulier, mais je vous en parlerai plus. Soit en vidéo, soit en article. Mais il est joli quand même, donc on va le garder dans la vidéo. Il va remplacer la licorne pour l'hiver. Voilà, collection été, collection hiver. Donc voilà, pour mes favoris du mois, j'espère que ça vous a plu. Je sais, ça a été long. Il y avait beaucoup de choses, mais là, entre Noël, les coffrets, les palettes, les collections, les trucs, les machins, mes favoris à moi en plus des trucs de Noël, les trucs que je ressors, etc., 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 ça a fait plein de choses. Dites-moi vous, parce que j'aime bien savoir, j'aime bien quand vous me le dites, quels sont vos favoris du mois, en make-up, en soins, en tout d'ailleurs, en bouffe, en DVD, en CD, en DVD...
Ça fait vieux quand même, hein. Ça fait vieille. En série. Série. Et j'ai dit CD. J'ai dit DVD, CD. Non, mais non, ça fait vieille aussi. Ou en musique. Dites-moi tout, je veux tout savoir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, la partager. Voilà. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Oh, 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 oh